Bonsoir à toutes et à tous pour ce nouveau rendez-vous ce soir. NXT est de retour après ce NXT Takeover In Your House qui a laissé pas mal de traces en accueil. Shane Thorne qui nous vient d'Australie. The following contest is scheduled for one fall. One fall. Making his way to the ring from Perth, Western Australia, weighing in at 220 pounds, Shane Thorne. Shane Thorne est bien présent ce soir alors que on nous a annoncé dans l'oreillette que l'ancien champion NXT, Johnny Gargano, et oui, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas vu NXT Takeover, Johnny Gargano a perdu son titre de champion de NXT face à Finn Balor. Alors que Shane Thorne ce soir va affronter Gorgeous Tyler Breeze. And his opponent, accompanied by Fandango, representing Breezango from seasonal residences, weighing in at 212 pounds, Tyler Breeze. Il est accompagné de Fandango, c'est bel et bien Breezango qui viennent en équipe, mais c'est bien Tyler Breeze qui sera en action sur le ring. On en connaît là que pour être son manager, son valet. En tout cas, ça va être intéressant car Tyler Breeze, mais il a gagné son match lorsqu'il était à NXT Takeover In Your House. A noter que l'on n'a pas eu d'autres changements de titre. Les champions par équipe ont conservé leur titre lorsqu'il s'agit de Velvet Dream et Kesley. Et Charlotte Flair, elle a eu une victoire express en moins de 2 minutes sur Yoshirai. Voilà, bah, c'est simple. Bah, on fait dans la simplicité, on aime bien la simplicité. Ah ouais, on kiffe ça. Alors, est-ce que Fandango va perturber l'adversaire qui est Shane Thorne de Tyler Breeze? Ah oui, parce qu'il faut se la poser la question. Attention, Tyler Breeze, DDT. Ah bah, il commence fort. Hein. Non, mais il faut toujours commencer très fort. C'est un conseil d'ami. Allez, casse le dos Tyler Breeze. Pour l'instant, il regarde l'adversaire ramper avec beaucoup de difficultés. Shane Thorne a vite repris la main. Oh, oh la manchette. Et c'est parfaitement fait ça. Attention, Tyler Breeze. Oh, le coup de genou dans la face. Oh, il a replacé Shane Thorne. Allez, et les doubles kicks et les kicks sur le torse. Et disons que ça pique un peu. Hein. Faut mettre un peu de glaçon après pour refroidir tout ça. Allez, Tyler Breeze, le coup de pied. 1. Eh non, dégagement encore trop tôt, simplement 1. Attention. Allez, le coup de genou encore une fois. Parfaitement placé. Tyler Breeze, running bulldog, parfaitement exécuté. On aimerait dire parfaitement exécuté par l'ancien champion, machin, mais il a jamais gagné de titre encore. Attention, le leg lock porté par Breeze. Et Shane Thorne qui essaie de ramper. Ah, il a lâché la prise, Tyler. Parce que ça demande beaucoup de force aussi de sa part. Oh.
Attention, un, deux. Oh là là, on l'avait pas vu là. Hein. Attention, Shane Thorne, il a Tyler Breeze. Allez, le kick dans la face. C'est gratuit, pas besoin de payer. Tyler Breeze. Allez, c'est bien fait. Ça. 1, 2 et 3, ça passe. Ça passe pour Tyler Breeze. Ah oui, il en aura pas fallu beaucoup. Hein. C'était un match assez rapide. Hein, 6 minutes. Ah oui. Eh ben, belle victoire de Tyler Breeze. Hein. Que voulez-vous? Que voulez-vous? C'est un match assez rapide, chacun a eu son petit moment de domination, mais c'est finalement Tyler Breeze qui réussit à s'imposer face à Shane Thorne sans l'aide de son partenaire Fandango. Et ça, c'est intéressant de le noter. Ça prouve que Tyler Breeze n'a pas besoin de Fandango pour gagner. Mais pourquoi pas un titre pour Tyler Breeze? Tyler Breeze, belle victoire du jeune homme ce soir. Il est félicité par Fandango. Et pourquoi pas un titre, hein? Parce que petit à petit, moi je vous le dis, hein, on le voit souvent, il gagne. Attention, hein, il se rapproche des titres. Ça pourrait être très bon pour lui. On accueille Mark Andrews. The following contest is a triple threat match, making his way to the ring from Cardiff, Wales, weighing in at 147 pounds, Mark Andrews. Mark Andrews dans un match triple menace, hein, annoncé. Ah oui, un match triple menace. Qui vont être ses adversaires du soir? Ça, c'est une très bonne question. En tout cas, n'hésitez pas à réagir à l'épisode, à dire ce que vous en avez pensé. Et également de NXT TakeOver. Est-ce que vous avez pensé de NXT TakeOver? On rappelle, hein, que ce dimanche, du côté du main roster, nous avons le pay-per-view The Great American Bash. Goldberg vs Roman Reigns, la revanche. Brock Lesnar contre Seth Rollins. Edge Styles contre Rey Mysterio. Becky Lynch contre Nia Jax. Bayley contre Maryse. On a de très bons matchs. Oney Lorcan est là. And his opponents, first from Boston, Massachusetts. Weighing in at 190 pounds, Oney Lorcan. Oney Lorcan is in the place, ladies and gentlemen. Oney Lorcan lui aussi, hein, qui devient de plus en plus important ici dans le roster de NXT. Faut quand même faire attention, hein, parce que il est présent, il est chaud. Il est très chaud, Nilorcan, donc il faut garder des yeux rivés sur lui. Il se rapproche d'un titre, petit à petit, il se rapproche. Oh! Shock the system! Adam Cole, baby! Oh yes! Adam Cole, baby! City, Florida, weighing in at 210 pounds, the NXT North American Champion, Adam Cole! Baby! The NXT North American Champion! Mais quand est-ce qu'il va défendre son titre, hein? Non, parce que c'est bien d'être champion, mais faut défendre le titre un peu. Il a pas remis en jeu depuis des mois. Et, bah, j'allais dire pourquoi pas ce soir, mais non, mais ça aurait été bien. Match triple menace, il y a de l'enjeu. En tout cas, ça fait plaisir de voir Adam Cole en action. Ça faisait longtemps. Boum!
Ah oh là là là. Adam Cole is in the place. Et ça c'est très bien ça. Ça c'est très bien ça. On adore Adam Cole. Baby. En fait dans un sens tant mieux qu'il défende pas son titre. Ça lui fait un long règne. Et il pourrait rentrer dans l'histoire. Oui clairement, rentrer dans l'histoire. Ouais. In history. Et c'est donc parti pour ce match triple menace. Oula. Oh, Mark Andrews qui s'est jeté sur O'Neill Orcan. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous, vous m'avez l'air un peu énervé. Que se passe-t-il? Allez, ouais, il enchaîne maintenant O'Neill Orcan. Tandis que Adam Cole, lui, regarde. Ah non, ça y est. Le champion s'attaque à O'Neill Orcan. Un coup de poing, il a réussi à le mettre un genou à terre. Eh non, c'est loupé. Et c'est loupé, ça. Allez, aïe, 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 aïe. Ça fait mal, ça fait mal. Hurts. Oh, le coup de pied. Projection. Projection. Non. Ah, non. Ah. Ah ah. Oh là 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 là. Attention, O'Neill Orcan, O'Neill Orcan's line. Chuck. Non, 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 non. Mais non, mais c'est trop tôt, c'est trop tôt. N'abusez pas non plus. Je veux bien qu'on soit pressé, mesdames et messieurs, mais calmez-vous. Franchement, à quoi bon se précipiter? Et il pousse Adam Cole dans le coin. Attention. Oh là, German Suplex, heureusement. Heureusement que Mark Andrews s'est un peu poussé, parce que sinon, il se serait pris Adam Cole dans la tronche. Avec la chute, là. Ah, ce serait pas très très sympa. Hein. Mais non. Pas gentil, hein. Pas gentil. Oh, il enchaîne deux coups de poing. Le tomber, le tomber. Un, non. Non, 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 non. Calmez-vous. Calmez-vous immédiatement. Oh, Adam Cole qui réussit à se dégager. Ah, ce serait bien une petite victoire d'Adam Cole. Pour bien montrer que c'est lui le champ. Attention, attention. Oh, oh, sur la nuque. Il s'est relevé immédiatement, O'Neill Orcan. Adam Cole qui a été un peu surpris. Mais à moitié. Allez. Oh, ça. Aïe, aïe, aïe. Allez. Scorpion dead drop. Et il ramène au sol. Non. Il a esquivé. Adam Cole is in the place. Hurricane Rana porté par Mark Andrews. Oh là là là, ça c'est bien fait ça, ce looping. Armlock. Et allez, casse le bras. Oh, ça repousse vite, ça guérit vite tout ça. C'est comme les lézards, hein. C'est pareil. Allez, manchette, Donnie Lorcan, le coup de pied d'Adam Cole. Oh, il a fait tomber. Et le tentative maintenant. 1, 2, et dégagement. Simplement 2. On est chaud, hein, ce soir. On aime bien être chaud, on aime bien. Même s'il fait pas très très chaud actuellement, là, mais. Dans la réalité, mais on aime bien. Oh, il va faire sa prise de finition. Oh my god, elle est passée. Ça peut... Ça, non, 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 ben non, Mark Andrews à côté, évidemment. Aïe, 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 quelle stupidité. Non. Adam Cole. Ah, oh, oh, ça fait mal. Oh, regardez, 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 regardez ce qu'il est en train de faire. La violence.
Oh la Témi! Non mais sérieux là? Et le body slam! Attention, Adam Cole! Olé! Oh, il gère plutôt bien. Non mais franchement, pour être honnête, Adam Cole s'en sort largement bien. Et le pied d'abdomen. Et le kick dans la face. Adam Cole, baby. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Y'a qu'un seul Adam Cole et en plus il est baby. Vous voyez, bah, c'est comme ça. Ah mais je vois la jalousie des gens, je la vois. Vous aimeriez être comme lui. Attention le tombé. Mais non, même pas. Mark Andrews vient casser ce tombé immédiatement. Ah il est chaud. Ah oui il est chaud Mark Andrews. Il a envie de fight. Non mais ça peut se comprendre hein, qu'il a envie de fight. Ah bah oui, clairement. Voyez-vous. Attention, New York Khan, le retour de la powerbomb sur Adam Cole. Adam Cole qui? Adam Cole, baby. Voilà, c'est ça. Oh my god, il lui a mis un big boot dans la face, il est passé par-dessus la troisième corde. Allez, Adam Cole aussi, par-dessus la troisième corde. Bien fait ça, la puissance. Attention, Neil Orcan, le running neck breaker. Mais non, Adam Cole, il vient casser le tombé. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait pas bouger. Je me suis dit non, il faut bouger, monsieur. Comme dirait une certaine personne. Non mais vous avez fumé, monsieur. Allez, O'Neill Orcan. Attention, O'Neill Orcan. Oh là là, il est taré. Tentative. La victoire? 1, 2, la victoire? Non. Ah, on est vraiment pas passé loin là. Surpassement par-dessus les épaules. Adam Cole, oh, souplesse arrière. Oh, Mike, il est relevé tout de suite. Mark Andrews, la clothesline contre le coin. Hurricane Rana, c'est bien fait. Le shooting star press à la Evan Bourne. Et c'est fini. 1, 2, 3. Victoire de Mark Andrews. Ah, il y avait personne pour casser. Adam Cole était à l'extérieur. KO. Oh, ce shooting star press était magnifique quand même. Ah, il a. On aurait cru voir Evan Bourne à l'époque. Oh, il fait. Ça fait 10 ans. Vous vous rendez compte? Ça fait 10 ans, voire plus. Parce qu'il était là, Evan Bourne, à l'époque, ECW à la fin, 2008, 2009, 2010, quoi. Ça fait 10 ans, j'ai l'impression que c'était hier. C'est fou, les années passent très vite, tout ça paraît si loin, et ça, ceux qui ont connu cette époque, ceux qui ont connu le catch où il explosait en France à l'époque, ah ben, moi, perso, ça me manque grave. Ça me manque grave, cette époque. Here is your winner, Mark Andrews. Et même si les talents d'aujourd'hui sont plutôt bons, on n'a pas tout le charme qu'il y avait à l'époque. Mais en tout cas, Mark Andrews s'est bien imposé ce soir avec des bonnes prises qu'on aime bien. Félicitations, monsieur Andrews.
On est de retour. Johnny Gargano. Johnny. Hey, le nouveau champion Finn Balor qui attaque. Roderick Strong dans le dos. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est sérieux. Mais il est sérieux, le nouveau champion. L'arbitre lui dit, mais vous avez perdu la tête. Oh non, oh bah non, oh quel tricheur, quel mauvais. Oh quel mauvais Finn Balor. En plus Finn Balor avait invoqué The Demon King pour son match à TakeOver. Il avait peur. Et c'est donc Johnny Gargano face à un Roderick Strong qui a déjà été attaqué. Alors qu'on voit Candice LeRae qui est dans le coin de Johnny Gargano. Oh le RKO. Tentative de tomber. Un. Mais non, dégagement. Roderick Strong a déjà perdu au moins la moitié de sa santé là. Avec cette attaque. En plus, projection contre les escaliers. Tentative. Eh non, même pas un. Oh là. Calmez-vous. RKO à nouveau de Johnny Gargano. Wow. Ça c'est très bien fait ça. Oh la close line. Oh my god. Le coup de pied. Roderick Strong. Roderick Powerbomb. Oh le coup de genou, my god, my god, my god. La tentative. Non, même pas un zéro. Allez, il enchaîne, projection dans les cordes. Eh, c'est bien fait. Et oui, Roderick Strong, malgré son attaque, il est bien là, présent dans ce match. Oh, coup de poing, oh oh. Non, oh non, ça par contre, c'est assez dangereux. Aïe, ah, le dos de Johnny Gargano qui n'existe plus désormais. Ce n'est que le passé. Le passé, le passé. Ouais. Allez, contre le poteau. Oh, allez, encore une fois. Four. Five. On est à 5. Six. Oh là là, ça s'est bien fait. Seven. Et le coup de pied. Descente du coude. Eight. On est à 8, là, faut remonter. Nine. 9. 9, il faut remonter. Oh non, non. Double décompte. Et 10, okay, match nul.